Ce dimanche 14 mai, André Dussolier était l'invité de l'émission Télématin, sur France 2. À cette occasion, l'acteur de 77 ans s'est exprimé sur les choix de carrière de ses deux enfants, Léo et Julia. Tout au long de ses 50 dernières années, André Dussolier a aussi bien marqué par son talent le grand comme le petit écran, ou encore la scène théâtrale. En effet, l'acteur, aujourd'hui âgé de 77 ans, a brillé et bouleversé les spectateurs par ses interprétations dans des longs métrages tels que Trois hommes et un couffin, 1985, Mélo, 1986, Un cœur en hiver, 1992, On connaît la chanson, 1997, Les enfants du marais, 1999, La chambre des officiers, Tanguy, 2001, ou encore, Tout s'est bien passé, 2021. D'ailleurs, ses performances n'ont pas manqué d'être saluées par le milieu qui, entre 1993 et 2002, lui a décerné pas moins de 3 Césars du meilleur acteur. Et sa passion, le comédien l'a transmise à ses deux enfants, Léo et Julia, dont il suit attentivement et fièrement la carrière. André Dussolier, fier du parcours de ses deux enfants ce dimanche 14 mai, André Dussolier était l'invité d'honneur de l'émission Télématin, sur France 2. Venu faire la promotion de son prochain passage au théâtre, dans la pièce Sens dessus-dessous, qu'il a lui-même conçue et réalisée et qui sera jouée dès le 24 mai prochain, au Théâtre Marigny, l'acteur a accepté de revenir sur son impressionnante carrière et a également évoqué les parcours de ses deux enfants, Léo et Julia, tous deux comédiens. Je crois que les époques sont tout à fait différentes. Je ne maîtrise pas très bien la manière de faire le métier, même si c'est toujours la même façon, mais après, la diffusion, la manière d'exister, sont différentes, note de la rédaction. Mais je sais que chacun fait sa route, a-t-il fièrement déclaré. André Dussolier évoque le besoin d'indépendance de ses enfants. Il n'est pas toujours évident d'intégrer le même milieu professionnel que son parent, surtout si ce dernier détient un palmarès aussi dense et impressionnant qu'André Dussolier. Conscient que ses enfants se doivent d'exister par eux-mêmes et pour leur propre talent, l'acteur a confié, sur le plateau de Télématin, « Ils ont besoin de faire leur route », note de la rédaction, « sans que je sois là, toujours présent. Ils ont besoin d'être tout à fait indépendants, libres. » Et en constatant le succès de sa fille sur les planches et celui de son fils sur le grand écran, André Dussolier ne peut qu'être fier et satisfait du chemin que sa progéniture a accompli d'elle-même. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. À lire aussi: André Dussolier fait de rares confidences sur sa vie privée, et sa manière de gérer les disputes amoureuses.